Vous étiez réfugié dans l'atelier de Nikita Kovalev et vous avez essayé de vous imprégner du lieu, de votre environnement. Margot, toi, tu t'étais rapproché de cette porte blindée. Tu as collé ton oreille contre la porte et tu as entendu comme des, des voix chargées de douleur, de souffrance. Et, et en même temps, tu as entendu une musique. Que les autres n'ont pas entendu d'ailleurs. T'as rappelé de très mauvais souvenirs. Et ensuite, ça a basculé vers euh, visiblement quelqu'un qui appelait à l'aide, qui frappait brutalement. T'as regardé à travers le trou de la serrure et visiblement c'était une, une jeune femme blonde, elle devait peut-être avoir euh, 25-30 ans. Elle euh, s'est fait euh, surprendre par un mort vivant, sorti justement, en arrivant dans le bureau de, de Nikita et la sortant ensuite dans ton champ de vision. Tu as repris ton, tes esprits après. Et François, tu as commencé à te sentir mal à l'aise en regardant Isaac. Tu l'as vu un petit peu difforme. Et à un moment donné, ce n'était plus vraiment Isaac. Et c'est à partir de là que tu t'es senti menacé. Et que tu es parti, euh, tu t'es rapproché de lui pour euh, l'agresser physiquement. Quant à toi, Isaac. Euh, défense, hein. Et puis, euh, et puis Isaac, euh, entre tout ça, bon, t'as essayé quand même de récupérer tes notes euh, de nécromancie, de sciences occultes, pour essayer de mettre un sens à tout cela. Et après, euh, Margot, tu trouver une sortie intentionnellement tu as déchiré une toile et tu as pu observer qu'il y avait une sorte de couloir sombre obscur un tunnel que vous avez emprunté et vous vous êtes vite rendu compte que vous étiez dans les catacombes de Paris puisque vous aviez vu au-dessus d'une de, arche les mots arrête c'est ici l'empire de la mort et puis plusieurs mètres plus loin il y avait un escalier qui débouchait vers la sortie où vous aviez entendu des échos de jazz, euh, des rires. Assez sensuels d'ailleurs, et invitant. Et à peine sorti, c'est là que vous avez entendu le sifflement des, des bombes, des sirènes, des avions, et vous avez décidé tout de suite de vous mettre à l'abri. Vous vous êtes réfugié dans un café. Dans la cave. Et après une série d'explosions, vous pensiez être en sécurité, seul, mais il y avait en fait une, une femme très âgée, visiblement malade, qui, qui jouait du violon. Et elle s'est adressée à vous en suppliant de libérer son, son fils, elle l'appelait son petit Coco, qu'il fallait le libérer des chaînes du tyran. Vous en avez déduit qu'il s'agissait peut-être de la mère de Vauclin, ou du moins peut-être une représentation. Et elle vous a indiqué que son fils était logé au Sacré-Cœur dans la basilique. À votre sortie, vous vous êtes retrouvé dans une rue. Vous avez pu voir une sorte de danseur immortel, euh, une sarabande, et qui commençait un peu à dégénérer. Euh, les participants à cette danse étaient en fait plutôt des cadavres, euh, des... des squelettes, euh, peut-être d'anciens artistes, musiciens, euh, prostitués, bohémiens, et qui t'ont entraîné, Isaac, qui ont failli t'entraîner. Heureusement, euh, tu as pu euh, te faire euh, sortir de ce guet-apens par, euh, par François, et ensuite, vous avez contourné cette place. Assez dangereuse. Vous avez emprunté euh, la... Vous avez parcouru la butte Montmartre pour ensuite rejoindre le funiculaire, rempli de ces macabres euh, écrasés euh, durant cette montée par, ce, euh, par ces wagons. Et tout en haut, euh, vous avez rencontré des pèlerins qui ont essayé de vous bénir euh, et vous avez pu heureusement euh, vous en échapper. Sachant que d'autres qui n'ont pas eu votre chance ont fini comme des vagues silhouettes disparaissant à travers la pierre de l'édifice du Sacré-Cœur. Alors l'extérieur était grandiose, mais une fois que vous étiez rentré, vous, vous avez pu... vous étiez assez surpris. C'était pas vraiment le Sacré-Cœur que vous aviez... que vous connaissiez. Il était... On retrouvait toujours ce côté architectural euh, byzantin, gothique, plutôt... Euh, Roman. Et puis euh, en même temps, il y avait euh, des sortes d'espaces euh, où on pouvait deviner l'appartement de Vauquelin. C'est là que vous vous êtes rapproché derrière une bibliothèque. Vous avez accédé dans sa chambre et, et vous l'avez vu euh, en train de dessiner sur un carnet des croquis qui arrachait page après page. Et derrière lui, il y avait des chaînes rouillées qui. Passait dans ses chairs, et qui le liait à une imposante silhouette dressée derrière lui, c'était visiblement un avocat, un juge, un homme austère, qui n'arrêtait pas de critiquer vauquelin Et à chaque fois qu'il ouvrait un mot, il y avait une nouvelle plaie dans la chair torturée du peintre. Il y avait différents flots d'insultes. Par exemple, tu vas disparaître, tu ne seras plus rien, tu seras oublié, tu n'es pas mon fils. Vous avez vite deviné que c'était le père de Vauquelin, bien évidemment. Et, euh... Et cet endroit a manifesté physiquement l'un des traumas d'Isaac sous la forme de sa fille défunte. Sauf que ce n'était pas vraiment sa fille, elle était comme si elle fusionnait, elle avait fusionné, elle était hybride avec le corps d'une créature monstrueuse. On aurait dit une sorte d'insecte avec juste son doux visage, malheureux, mélancolique, qui a appelé à l'aide. Et la manifestation tenta d'attirer justement toi, Isaac, à l'écart du groupe, et tu as pu te faire sortir à nouveau de ce, de ce piège par, cette fois-ci, Margot. Et pendant ce temps-là, François affronta le père de Vauquelin. Il lui brisa, on pourrait dire, ce, cette frustration, ce lien physique. Que le père de Vauquelin avait noué avec, euh, avec Vauquelin, et ses chaînes se détachèrent de son dos torturé. Le père disparaissa, s'évapora, et Vauquelin s'ordressa et continua sa, sa route. Vous. Les chaînes étaient brisées au sol, et vous avez décidé de partir en Direction, moins de suivre cet artiste. Isaac, ce que tu avais ressenti, c'est euh, une fois que vous étiez revenu, sans le vouloir, euh, à travers ces catacombes, et ensuite euh, vers ce, ce repère. Une fois dans ce repère, justement, euh, dans l'atelier de, de Nikita, tu as ressenti comme une. peut-être une aura de Vauclin ou une puissance qui s'était légèrement atténuée. Et euh, ces événements n'ont pas laissé, euh, ont laissé des séquelles pour François. Hein. Tu es devenu de plus en plus instable psychologiquement. Et on en était resté là. Comme je disais la dernière fois, moi je, je suis recroquevillé par terre et je, voilà, je tente de faire un peu le vide autour de moi au vu de tout ce qui s'est passé. Quoi. Autant que peut se faire. Moi, je me suis assoupi, écrasé par la fatigue de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a vécu. Et je fais des, des rêves, des rêves agités. Marco, Moi, toi en train de regarder les croquis que j'avais pu récupérer dans, euh, dans la basilique. Ouais. Et en train de regarder mes croquis euh, assis, prostrés dans un coin, euh, en essayant de faire un peu le vide pour euh, reprendre aussi un peu mes esprits. Sur ces croquis, tu vois un peu le style, euh, parce que tu le connais, hein, du Cabarache, à savoir un style un peu baroque du XVIe siècle. où il y a un côté christique d'ailleurs. Il y avait un tableau, je sais plus comment il s'appelait où on voyait je sais plus un peut-être un des apôtres qui était en train de de vérifier si, si le Christ était vraiment en chair et en os en mettant sa, sa main dans sa chair. C'est un peu dans ce style là en fait. OK. Je vais essayer de retrouver d'ailleurs ce, ce tableau au passage. Euh... Bah, je vais essayer sur un de mes, sur un de mes feuillets vierges euh, de reproduire un petit peu euh, les dessins, voir si euh, je, je m'essaye à son style. Ouais, tu peux, tu peux essayer de me faire un gel. Tu dois avoir quelque chose au niveau de tes avantages. Il pourrait euh, peut-être s'adapter. Ouais, ça peut le faire. Euh... Alors, il y a de la musique hein, normalement. Euh... Oui, ça y est. Moi ça y est. Oh peut Faut, faut peut-être mixer. Hein. Tu t'étais endormi, euh... Isaac Isaac, il dort, mais il est. Euh... C'est un... un sommeil euh, pas très profond parce que. Entre le stress, la fatigue, euh, c'est vraiment un sommeil léger. J'ai quelques feuillets dans les mains. Euh, Peut-être une main crispée sur un feuillet. Et euh, un autre qui glisse de ma poitrine pour tomber par terre. Tu peux me faire un jet d'intuition magique à ce moment-là. Dans. Tu somnoles un peu. Tu, tu, tu revois justement Vauclin avec ses chaînes derrière lui. Tu, à ce moment-là, au moment où tu l'as vu avec ses chaînes, il semblait désemparé. Et une fois que François a affronté son père et que ses chaînes se sont libérées, c'est à partir de là où tu le revois s'affranchir. Il y a cette image-là qui revient en boucle et ce que tu remarques en tout cas, c'est que tu sens une aura, un pouvoir mystique qui s'est peut-être atténué à ce moment-là. c'est assez, assez négligeable. <sus> Je regarde, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi. Moi, je m'approche de toi, ça va, Isaac Ah, ça va, ça va, Margot. Non, nous ne sommes pas dans un rêve. Nous sommes malheureusement bien dans une réalité. Enfin. J'ai senti comme. comme une force. une aura qui s'est. légèrement affaiblie. Quand vous avez libéré vos clins, François, je crois que vous avez fait quelque chose. Et vous pensez que c'est plutôt bien ou plutôt mal Je pense que c'est plutôt bien. Ce que je vous disais la dernière fois, nous devons euh, nous devons l'affaiblir. Mais son tyran de père, vous voulez dire le renforcer Disons qu'il devait être euh, emprisonné dans ce... dans ce cauchemar, dans cet enfer. En le libérant, vous avez euh, libéré une de ces manifestations euh, qui a pu euh, peut-être quitter ce purgatoire. Mais c'est très léger. Il y a d'autres manifestations de Vauclin ailleurs. J'ai une Il... autre hypothèse. Peut-être que Vauclin était en colère et que, effectivement... Euh... On l'a libéré d'une partie de cette colère et que sans la colère, il, il reviendra peut-être à d'autres euh, sentiments. Oui, mais nous, par rapport à notre situation, ça change quoi bah, Rien, justement. Eh bien, est-ce je... que ça a servi à quelque chose à ce, ce qu'on a fait Effectivement, ça ne sert à rien. Et je ne comprends pas. Rien euh, ne change. Calmez-vous, François. Vous avez fait de grandes choses. Le non, libérant... on a rien fait. On est toujours dans ce bureau. On est toujours enfermé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Écoutez, François, calmez-vous. Nous sommes tous dans la même situation. Si on... J'essaie de, re de regarder euh, si... Euh, comment s'appelle Nikita euh, Kovalev euh, Et... Euh, ce sont ses réactions euh... C'est limite si je lui en veux à hein, vous avoir enfermé dans cette pièce, quoi. En soi. oui. En soi, il faut trouver d'autres manifestations de Vauclin. Mais je crois qu'il faut aussi trouver de quoi nous sustenter. Nous ne tiendrons pas longtemps. D'accord. J'ai très soif. Nikita, Nikita elle, vous la voyez qu'elle est assez pensive. Elle est en train de parcourir les différentes. Elle est sur un ouvrage, justement, sur, sur vauquelin, pour sa biographie. Et je, je lui lance un regard un peu... On va dire un peu... peu pas méchant, mais un peu ironique. En, en, voilà, j ai, j ai, je ne sais pas si elle me voit, mais en tout cas, moi, j'ai besoin, de, par, le, par mon regard, de, de lui faire passer ma, ma colère, ma colère d'être enfermé là. Et, et, quand, euh, et quand Isaac nous dit qu'il a soif, j'ai... Je décide de m'atteler à des tâches prosaïques, vraiment les plus prosaïques qui soient pour pouvoir ensuite euh, penser à autre chose quoi. Et rester sur des besoins basiques primaires comme euh, boire, manger. Ouais, t'essayes de te dire peut-être euh, pour changer euh, un peu tes idées, euh, tiens comment j'aurais pu faire pour voler cette toile justement, l'une des toiles de, de Vauquelin qui se trouve au premier étage. Mais bon, c'est assez assez bref. Finalement, Nikita s'approche de toi, Isaac. En même temps, François, tu lui jettes un regard assez, assez menaçant, rempli de reproches. Je vous ai entendu parler, Isaac, de Monsieur Bloom de, de, de purgatoire au sujet de vos clins. Oui. Je sais que son expérience ses expériences à paris il avait évoqué cela justement d'après jours jour, son journal intime qui ont été ensuite retranscrits en tant que ouvrage de mémoire et il expliquait que à cette époque-là il avait une obsession pour l'immortalité cette cité lui avait en effet fourni procuré généré en lui des tentations obscures le détournant sans cesse de son art. Et... Il ne parlait pas vraiment de, de son père, il l'évoquait, mais... Je comprends maintenant que... Pourquoi il avait décidé de... de sortir de cette famille, de ce cocon, et par la suite... de ce milieu... un peu trop... un peu trop bourgeois... de l'école... où il pouvait expérimenter toutes ses folies. Oui, ça expliquerait beaucoup de choses. Quand vous il parlez a... d'immortalité, vous parlez d'immortalité de son art ou d'immortalité de son corps Je sais qu'il avait, il évoquait cela hein, dans ses mémoires, qu'il avait peur de la mort, qu'il qu ne voulait qu voulait passer au-delà. Qui n'en a pas peur. Et nous alors On est en train de devenir quoi Mais Nous sommes écoutez... bien vivants, nous sommes bien vivants, regardez. Oui, Pour combien de temps il n'y a plus d'eau, plus de nourriture Rien. É écoutez, jeunes gens, si nous voulons sortir d'ici, il faut trouver les autres manifestations de Vauclin. Nous n'avons pas le mais choix. Comment les trouvez-vous Les retourner dans les catacombes et trouver notre sortie Peut-être. Et peut-être peut ne sortir pas à la porte principale. Nous allons emprunter un autre chemin. Ton pouvoir s'est affaibli. Il a certainement créé d'autres brèches dans la réalité. Tenez, Margot, vous voulez m'accompagner On va aller danser. J'avais entendu de la musique de jazz. Vous venez avec moi Vous m'accompagnez très cher. À ce moment-là, Et vous-même. Je, je te regarde avec un regard totalement interrogateur. Euh, euh, danser dans des circonstances pareilles Mais venez Je suis, je suis sûr que votre sera heureux de nous voir danser. François, de toute façon, quavez comme solution François, je vous en prie, reprenez votre calme. Je suis calme, Isaac. Je suis calme, on n'a rien à manger, rien à boire, et nous pouvons aller danser. N'est-ce pas extraordinaire, n'est-ce pas merveilleux euh, Écoutez, nous ne tirons pas danser. Regardez-moi. Regardez ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, je vous trouve très optimiste, effectivement, Isaac. Euh, comment va votre jambe Ma jambe beaucoup plus de mal à me déplacer. J'ai l'impression que quand ces personnes m'ont emmené dans leur danse infernale, j'en ai beaucoup souffert, beaucoup pâti. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me sens fatigué depuis. Et il faut avancer. Nous n'avons pas le choix. Il faut sortir d'ici, sinon nous mourrons, nous finirons comme les autres. Les morts. Ou plutôt... Des spectres. Vous pouvez me faire euh, Isaac et puis François un jet d'observer la situation. Margot, toi, tu es assise euh, dans, dans un coin, justement, en train de, de griffonner certaines choses. Euh, tu sens quelque chose euh, tu, sur ton épaule. Il y a quelque chose comme une main. Qui donc il y a une main en fait, euh, et ce que tu observes François, tu vois cette main qui sort du tableau. Euh, elle est remplie de croûtes, euh, euh, de pu. Et euh, dès que tu te retournes, euh, Margot, cette main euh, s'enfonce dans le tableau et disparaît. Tu vois cette toile euh, où tu voyais en fait un, un vieil homme euh, jouant euh, une sorte de lutte. Il a une lutte avec lui et euh, son regard euh, et son, son expression étaient, paraissaient tristes. Et maintenant, ce que vous pouvez observer, c'est qu'il a un sourire un petit peu machiavélique, voire sadique. Mais il ne bouge plus, la peinture, tu mets tes doigts dessus. Euh... Et il m'a touché l'épaule. Alors, ça il a, a touché l'épaule de, de Marco, ah, pardon, qui était contre ça. le mur hein, au sol. Si nous ne faisons rien, nous allons mourir dans cette pièce. Margot, vous n'avez rien. Vous non, je n'ai rien, eu... mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Oui, une main vous a frôlé. Une main, oui, mais ne pouvait pas provenir du tableau, c'est pas possible. Bah si. Écoutez, je... écoutez, jeunes gens, nous devons sortir d'ici. Comment allez-vous marcher, Isaac <laughs> Est-ce qu'on entend encore des bruits euh, du côté euh, de la... Euh... Alors, euh, tu, tu prêtes un peu l'oreille. Ouais. Euh, vous entendez toujours des, euh, des cris, des hurlements de, de, de victimes, probablement, euh, succombant de justement problème. aux morsures euh, de, de morts vivants. Il y en avait 30 qui étaient avec vous euh, au premier étage durant l'exposition de la galerie euh, des atrocités. Et euh, il y en avait 70 autres en tout cas qui étaient restés dans le hall en train d'observer les différentes statues. Et quand vous étiez euh, parti, justement, quand vous avez quitté euh, l'exposition des atrocités pour descendre directement dans le refuge de Nikita, vous avez pu entre apercevoir dans le hall ces statues qui prenaient forme et qui euh, s'en prenaient justement aux autres invités. Les 70 autres, oui, quasiment. Il devait euh, peut-être en avoir une cinquantaine, euh, mais après, il y en a d'autres qui devaient se dissimuler un petit peu, un petit peu partout. Mais c'est une poignée qui a réussi à se, se cacher comme nous, mais bon, euh... F -f François, je pourrais me déplacer maintenant. J'ai cette canne également, m'aidera à porter mon, mon corps. Là, je affaibli, okay. mais j'ai suffisamment de force encore pour marcher quelques heures. Vous voulez que je m'occupe de votre euh, sacoche Non, je vais la garder près de moi. Bien. Bon, et vous, ah, vous voulez sortir par où On est d'accord que je n'ai vu ni eau ni nourriture, tu confirmes. Il y a, de ni haut, ni hein, euh, y a de, des bouteilles d'eau. Hein. Okay. Euh, Nikita, justement, euh, elle avait gardé une bouteille d'eau avec elle. Et euh, elle vous en propose d'ailleurs. Une... Ouais. Okay. Vous avez de quoi ouais. vous nourrir en tout cas hein, pendant okay. une bonne semaine. Hein. D'accord, d'accord. Doit avoir bah, trois euh... pactes d'eau. Euh... Mais par contre, du coup, euh, moi j'aurais tendance à faire un baluchon avec de, de l'eau et de la nourriture parce que je me dis, euh, je suis pas sûr qu'on revienne à chaque fois ici. Enfin, c'est pas mon objectif en tout cas. Si vous voulez vous reposer encore un peu, si vous en avez besoin, François. Vous restez ici encore quelques heures. Bah, j'avoue qu'en méta euh, me reposer un peu, oui, ça me ferait du bien. À... Vous avez l'air d'être un peu, un peu nerveux. Après vous, vous voir tourner, je suis pas sûr que ça me calme beaucoup. Je crois que ce que nous avons vécu vous a profondément ok Vous ne vous en rendez pas compte. Mais cela a laissé des traces. Traces sur vos. sur vous des traces. psychologiques. pas besoin de faire de psychologie pour cela, on a bien compris. Proposez-vous encore un peu, François. Moi-même, j'ai. Je crois que vous avez vous raison. de vous faire avec C'est ce que j'allais dire, ouais. Oui. On doit bien trouver un bout de bois, du tissu, euh, des choses comme ça, pour... Euh... On a des outils de menuisier, donc il y a forcément des, du bois, oui. Oui, vous en trouvez, hein, sans problème. Il y a de quoi faire, On justement, pour faire une attelle. Hein. Après... Donc, du, du coup, si Margot s'occupe de ça, si, si elle en a la capacité, bien entendu, je, je la laisse faire, et du coup, j'en profite pour me reposer, mais... Ma jambe n'est pas brisée, je peux me déplacer facilement. Un simple pansement devrait faire l'affaire. Et là, je, je trébuche un peu, je, je boite fortement mmh. et je m'appuie sur la canne. Euh, vous reposez tous euh, une heure. Ouais. Ok. Si on a la notion du temps, oui. Euh, ou, enfin, vous vous basez en tout cas sur vos montres. Elles sont, elles avancent de la même manière, hein, toutes. Vous pouvez gagner tous un point en, en stabilité. Euh, Isaac, ce que tu vas percevoir et d'ailleurs euh, avec l'aide de Nikita, c'est que vous allez entendre euh, de plus en plus euh, d'affrontements, comme si qu'il y avait, comme si qu'il y a, il y aurait plus de morts vivants. Toutou. Il faudrait peut-être laisser rentrer les prochains, hein. Hein, qui frappent notre porte. Et tu Et ressens aussi Isaac une euh, le comme un pouvoir maléfique qui imprègne les lieux. Si nous restons ici, de toute façon, nous périrons. Et nous devons en sauver encore, si que malheureux ont survécu à la catastrophe. Nous devons veiller à ce que, à ce qu'ils nous rejoignent. Bien sûr, ça nous fera peut-être moins de nourriture, moins d'eau, et nous de rationner. Mais ouais, alors, il y a notre solution, c'est que on, on, trouve une solution rapidement et on se débarrassera de ces, de ces êtres, non et, Et là... si on arrive à sortir du Louvre, ce serait pas une solution? Par les portes d'entrée. On peut aller voir, nous avons exploré que le derrière le tableau. Et nous vous allez vous présents. retrouver dans un Paris différent encore que le... celui qu'on a vu dans ce Paris étrange, non Ou une autre région. Vauclin n'a pas seulement fréqué Paris. Certes, vous pensez qu'on pourrait se retrouver au, au Maroc ou en, en Italie Peut-être. J'ai l'impression qu'ici, la notion de distance n'est pas... n'est pas quelque chose de tangible. D'ailleurs, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il est capable de modeler son purgatoire comme il le souhaite. Et s'il meurt, c'est Nikita qui te dit ça. Si Vauclin meurt. Enfin, même s'il est déjà mort. Si Vauclin meurt. Ces créatures, peut-être aussi. Un peu Son purgatoire disparaîtra. Ou simplement, et Dieu sait où nous pourrions nous retrouver ensuite. Je sais pas, Marco, si vous avez ressenti cela, mais quand nous étions dans, dans Paris. J'avais l'impression de voir en effet ces rues craquelées ainsi que ces façades, mais euh, ces, ces fissures me faisaient penser euh, peut-être euh, à une toile. Euh, qui... Comme un arrière-plan. Un comme vernis. Une... Comme un vernis qui aurait séché. C'est comme si nous étions non, dans ces toiles. Remarqué... Je n'avais pas remarqué au début, mais euh, maintenant que vous le dites. Euh... En effet, on pouvait être à l'intérieur d'une toile de Paris euh, à cette époque-là. Et d'ailleurs, elle ouvre son, son ouvrage sur Vauclin, et puis vous voyez en effet des, des, euh, des décors justement qui ressemblent très pour très à ceux que vous aviez pu parcourir. Que ce soit Montmartre, euh, le Sacré-Cœur. Est-ce que vous avez d'autres Également, ces, ces créatures. Visiblement qu'ils le hantaient, déjà. Et si on détruit ces toiles euh, dans au centre de l'exposition Ce serait pas une possibilité C'est possible, peut-être détruire le, le, tri le triptyque également. Le plus simple, c'est que nous sortions. Vous l'aviez dit d'ailleurs, Isaac, qu'il que, euh, y a un lien euh, beaucoup plus profond entre l'étoile toiles et, et vos clins. Regardez, le, le, ce moment, euh, souvenez-vous, quand ils ont ouvert le, le triptyque, c'est à partir de là que, que le, cet univers, oui, cet, euh, oui, ce décor a changé. Je pense que c'est le, tri le triptyque qu'il faut atteindre, ce que je vous avais dit la dernière fois. De toute façon, bon, deux bah, trois scènes. Eh bien, chouette. Il nous en reste plus que deux à vivre. Vous... Et n'oublions pas cette dague. Cette dague a peut-être son importance. Oui, mais on ne sait pas où elle est. En tout cas, nous savons qu'elle se trouvait dans la salle la dernière fois que nous l'avons vue. Mais il faudra faire attention. J'ai l'impression que... Le nombre de ces créatures, celles qui se baladent, est beaucoup plus importante. Vous avez vu leur rapidité, vous avez vu leur force. Croyez franchement qu'on peut survivre à une. à une. comment dire, en rencontre, rencontre frontale, frontale. Nous devrons faire attention. <laughs> oui, je sais. Mais si nous ne faisons rien, ça n'arrangera pas notre affaire. De toute façon, on ne peut rester ici il faut qu'on fasse quelque chose. Et je me rapproche de la porte et je vais écouter pour voir si j'entends du bruit de l'autre. À ce moment-là, des types les bestioles ou pas. Ouais, bah tu, tu, tu entends, mais non pas dans le bureau. Quand tu regardes à travers le bureau, le bureau est en tout cas inoccupé, euh, tu, tu entends toujours des, des cris, des hurlements de, de pauvres victimes. Servant de cobaye, probablement à Vauquelin. On ne sait pas où vraiment où ils sont emmenés. Vous en aviez vu déjà aperçu euh, beaucoup dans le hall. C'était une vraie boucherie. Euh, tu peux remarquer en tout cas des traces de sang au sol. Hein, euh, euh, des, des mains qu'ont probablement une personne qui a été tirée euh, euh, vers l'extérieur et euh, s essayant de s'agripper sur quelque chose et laissant des traînées de, de sang. Euh, les meubles sont, sont mobiliers d'ailleurs renversés... Euh, mais on, tu continues en tout cas à entendre ces, ces manifestations. Alors ça s'était atténué et euh, ça a repris justement euh, beaucoup plus d'énergie, de violence euh, au bout d'une heure. Vous êtes euh, dans ce lieu en regardant vos montres depuis euh, trois heures. Vous voyez quelque chose Margot oh, Rien de particulier, ça a l'air vide. Nikita, vous, vous pouvez nous faire un plan de... Vous, vous avez un plan du musée euh, pour nous aider Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, regardez, là, je vais mettre ces, ces plans sur, sur la table. Je me tourne vers Isaac et vers François. Vous voulez aller où On n'a aucune idée. La dernière euh... fois nous étions sortis par le couloir, je pense qu'il faut... Déjà passé par le bureau et nous essayerons d'aller euh, du côté des escaliers. Enfin, là où se trouvaient les escaliers. Il faut monter de toute façon. Bon, on y va. Et je m'approche de la porte et je l'entrouvre euh, pour euh, avoir un peu plus de visibilité. Il y avait des ascenseurs aussi. Je préfère pas que nous empruntions les ascenseurs. Nous serons enfermés et nous pourrions être. Euh, euh, nous pourrions avoir. Euh, aucune sortie possible. Vous souhaiteriez donc aller plus dans quelle direction Vous pouvez euh, cliquer hein, si vous le souhaitez. Moi, je, je dirais plutôt vers le 1. Ouais. ouais donc le 1, c'était la galerie basse où il y avait quelques, justement, quelques tableaux. Mais c'est vraiment pour rejoindre les escaliers et, et monter. Tu peux nous rappeler, ce... tu peux nous rappeler non. ce que cette pièce là, la 3 là, là au sous-sol. Euh, la 3, c'est également une salle de travail. Okay. Vous n'y étiez pas allé, vous n'y avez pas été euh, précédemment euh... Et les bruits qu'on entend c'est cette porte là, c'est ça, c'est entre le 8 et le 5 euh, Alors ce que vous entendez c'est euh, plutôt au niveau du 3 et du 1 Les bruits viennent plutôt de, de ce côté Oui bah donc euh, Isaac est en train de nous jeter dans la gueule du loup là Plutôt <laughs> ici de l'autre côté, euh, non, vous voyez cet accès euh, qui donne euh, sur un endroit, vous ne savez pas ce que c'est. Vous l'aviez emprunté en tout cas un couloir, euh, depuis les escaliers ici, mais vous n'étiez pas allé jusque là. Ok, bon ben moi je vais pas commencer par aller par les bruits. Hein, et euh, Isaac, je, je pense que vu votre état, il vaudrait mieux éviter la confrontation directe. Je pense qu'il faut plutôt nous diriger de l'autre côté. Je veux bien y on aller en reconnaissance si vous le souhaitez. Non, c'est Dé pas. Déjà, avançons dans le bureau qui le bureau de Nikita. Ensuite, nous verrons, nous aviserons vers où nous diriger. On est d'accord que les portes sont fermées hein, entre 8 et 3 et 8 et 5. Oui, tout à fait. Enfin, entre 8 et 3, elle est, elle est ouverte. Hein. Ah! Elle est restée déjà, ouverte. Il va falloir qu'on la ferme alors. J'entrouvre la porte et je me dirige vers la porte qui est entre le 8 et le 3 et je vais pour la fermer. D'accord. Je te suis avec ma canne. Euh, tu Comme peux me mar... faire un jet d'agir sous la pression. Marco. Moi j'ai le marteau d'entre les mains. Moi j'avais quoi le. J'avais la pince, moi j'avais le. J'avance en dernier. Le pied de j'avais. Ah, voilà. Tu, tu entends ces créatures, euh, tu peux les apercevoir très brièvement, et tu fermes cette porte très discrètement. Très voilà, délicatement. Très posé d'ailleurs, tu. C'est sûr de toi. Euh... Il y a moyen de... de caler un meuble pour empêcher de. Ah oui, vous pouvez prendre des, euh... son bureau, hein, par exemple. Ouais. Je vais, je vais, glisser ça parce que je pense pas qu'on puisse fermer à clé, sauf si Nikita a les clés. Euh, oui, oui, j'ai les clés près de moi. Elle les tend, mais elle ose pas sortir. Elle souhaite rester vais. dans son atelier, mais elle te, elle te tend les clics. Je m'empare de son trousseau et je, et du coup, je n'ai pas la peine de, de glisser du coup son bureau. Je vais juste les fermer. Fermer la porte, pardon. Donc, on ne le voit pas hein, sur cette scène, mais euh, en effet, il y a un autre accès qui donne sur le couloir d'où vous êtes venu. La porte, bien sûr, avait été refermée. Et du coup, moi, je vais aller de l'autre côté. Mmh. C'est-à-dire euh... ici ouais, es plus... du Par là, ouais. plutôt ici. Euh, tu tu... Je, je passe à peine ma tête, tu sais, hein, pour voir ce qu'il y a. Euh... Ouais. Enfin, J'y vais. Euh, pas ouais, bah, au... de, ouais. Du côté nord, tu peux voir hein, au niveau du, du 5, euh, ça paraît être un quai de chargement. Euh une sorte un de zone de maintenance, euh, euh, il y a la chaufferie, un petit engin de, de levage qui est, euh, qui est rangé dans un coin pour déplacer des, des, des plus grosses statues, on va dire. D'accord. Des, des œuvres assez importantes. C'est dans l'obscurité il euh, du... Ah non, non, c'est éclairé. Hein. Ok. Bah, je vais juste me, me glisser pour voir s'il y a s'il y aurait une créature dans le coin ou s'il n'y aurait pas euh, un survivant, je ne sais pas. Allez, tu peux me lancer un dé de 20 et euh, au-dessus de 10, on va on va dire que c'est bon. Alors, tu n'en vois pas. Hein euh non. Attends, euh... j'ai fait deux D20. C'est 2 de 7 en fait, ah! Attends. Qu'est-ce que j'ai lancé? Pourquoi 2D20 alors que j'ai appuyé sur juste. Attends. Je peux pas cliquer deux fois sur D. Pardon, excuse-moi. Ah, bah, bon bah, bah, décidément. Cette... <laughs> ouais, c'est bien tenté. Et. Mais... T'arrives dans, dans cette euh, sorte de, de long couloir. Quand tu traverses ce couloir, euh, il y a du sang qui est éparpillé euh, au sol voir ce, ce décor assez euh, assez abominable. Tu... J'ai le pied de Bichon, mon bras, et je euh, voilà je, je vais doucement. Euh... Tu, tu peux voir euh, tout autour des des tableaux avec euh, qui n'y étaient pas forcément et tu vois certains visages euh, qui t'observent. On dirait des euh... Des... Comme si c'était des âmes damnées. Ils ne sont pas menaçants. Et ils ont l'air de t'implorer et de les... de les achever. Tu vois, genre des visages à peu près similaires. Et ils sont dans des tableaux, bah je. Oui, c'est à peu près ça, mais beaucoup plus petit, hein, un couloir beaucoup plus étroit. Ah oui, c'est abominable. Parce que j'allais dire, je vais essayer de déchirer tout. Tu, mais... tu peux me faire un garder le contrôle. Ouais, parce que là... Ouf. Et tu entends ces cris au loin. Ça va pas du tout. Je, je lâche le pied de biche et je commence à me boucher les oreilles. François François Non non ouais, J'essaie de rentrer, de, 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 suivre de suivre François. Il est pas trop loin. Hmm. Tu vas perdre deux points en stabilité François. Alors tu avais gagné un point hein, auparavant, oui. après une heure de pause. Ça fait ouais, hein. bon. mal. <laughs> Angoissé. Bah, moi je suis Isaac hein, qui va essayer de rejoindre François. Je vais, je vais essayer de, de tirer François, de faire revenir en arrière vers la pièce où on était dans le bureau de Nikita. Il est assez tétanisé et puis tu vois une créature qui commence à sortir du tableau et qui essaye d'attraper le, le euh, François vers euh, vers elle et puis essayer de lui dévorer la carotide. Ces morts vivants commencent à sortir de, de chaque toile. On pense que je suis dangereux moi. Je oui, tu es, tu es à côté. Le col et puis je le tire. Ouais, et moi je vais prendre mon marteau, je vais donner des coups de marteau dessus. Euh, alors c'est François qui va gérer en premier. Euh, tu vas pouvoir faire euh, un jet de... éviter les dégâts. Ça va être dur les jets, maintenant. <laughs> Il arrive à te... Te stabiliser. Euh, tu essayes de te débattre, euh, pris d'un coup de folie, mais euh, tes actions sont un peu aléatoires. Euh, et tu peux agir. Euh, vous pouvez agir, Margot et puis euh, François. Pas François, ah mais moi Isaac. Je peux rien faire parce vrai, je me les Margot, Isaac. Euh, ouais. Je suis trop prostré là. Euh, oui, tu. Euh, Dis-moi ce que tu fais, Isaac. Et Moi je tire, je tire par le col. Je tire par le col, je vais peut-être peut glisser d'ailleurs dans, dans le sang. Mmh. S'il y a du sang par terre comme sur la scène. Mais en tout cas, je vais le ramener en arrière. Et euh, je, vais, je vais essayer de ramper jusqu'à la porte si je glisse. Ouais, bah au moment où Margot était en train de donner des coups, euh, des coups de marteau euh, sur euh, cette main qui a euh, justement euh, François. Elle l'a relâché. Et euh... Tu vois, Isaac qui a pu euh, traîner justement François vers, euh, vers lui. Mais le, le problème, c'est. Il euh, y a d'autres créatures qui sortent de chaque côté. Chez moi, allez-vous-en, allez-vous-en Revenez avec nous, François, revenez avec nous, il faut reculer Mais Je sais pas si je suis en capacité là, je, là, je suis tellement. Euh... J'essaie de me cacher les yeux pour comme si euh, la scène allait se dissimuler. Euh. Ouais, tu n'arrives pas, en tout cas tu ne bouges pas. Que faites-vous, vous autres Je. Bon on va essayer de le traîner. Hein. Moi j'aide Isaac à le tirer je... en arrière. Je, je réessaie de le tirer. Enfin je vais pas... Je vais pas le retirer en arrière pendant que, que, que Margot essaye de le tirer en arrière. Moi je vais donner des, des coups de canne autant que je peux euh, sur ce qui nous arrive sur ce qui sort des tableaux. Ouais, tu peux faire un engager le combat. Non, ça veut pas. Je Ouais, il y a une créature qui arrive justement euh, à ce moment-là, tu donnes des coups de canne euh, et euh, il y en a deux qui arrivent autour de toi. Margot essaie de tirer François de ton côté. Ouais, J'essaie de tirer François, mais quand je vois que Isaac est, est en prise avec les entités, euh, je vais euh, lâcher François et je vais essayer de redonner des coups de marteau. Ouais, hmm. ah oui. Alors tu vas pouvoir faire un jet d'éviter les dégâts, euh, Isaac. Oui, tu arrives à en éviter un premier. Tu en as un deuxième, justement, qui s'approche euh, vers toi. Tu peux également essayer de refaire ton jet. Avant l'arrivée, justement, de, de Margot. Ouais, tu arrives à te débattre. Tu vas dans quelle direction, justement Opposé euh, à l'atelier ou ouais, Je retourne vers, vers l'atelier, vers hein, hum. puisque c'est notre seul refuge là où il ouais. y a la nourriture, il y a où il y a le de quoi de quoi euh, nous sustenter et en tout cas on est on est protégé. Vas-y Marco, tu, tu peux aider justement euh, Isaac et euh, François essayer de sortir de ce de cette offensive. On fait quoi, je fais agir sous pression Engager le combat. Oui, ils arrivent à sortir justement, euh, à partir de là où ils sont venus justement. Et euh, en revanche, tu as euh, également trois créatures qui arrivent autour de toi. Dans un coin, il y a euh, un, un jeune homme justement que vous aviez entreaperçu. Euh, plutôt, euh, c'était apparemment celui qui t'avait bousculé, François. Il avait quand je dis un jeune homme, plutôt une quarantaine d'années, hein. c'est celui qui avait vu euh, des choses justement dans ce tableau, dans la galerie qui était proche de celle de, de Vauquelin. Apparemment c'était sa femme défunte. Euh, tu pouvais l'observer justement, il est dans un coin au sol, en train de se faire euh, dévorer par d'autres créatures. Il y a ses viscères qui sont euh, en train d'être euh, dévorés. Son ventre est complètement ouvert. Son regard euh, sa tête collée au sol avec un regard euh, éteint. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans je vais sortir de ma poche intérieure un, un petit papier dans lequel il y a une bourse, une bourse qui contient du euh, des selles mmh. Et euh, sur ce petit papier, il y a un petit rituel euh, qui, euh, qui, qui, dont le But est vraiment de déblouir et de décarter au moins temporairement des esprits maléfiques. Euh, euh, je vais crier l'incantation que je lis sur le papier. Oui, tu vois, pendant écrit. ce temps-là, tu vois Margot qui essaye de se débattre. Elle arrive à écarter euh, en plantant un marteau, justement, dans le crâne de cette créature qui s'écroule au sol. Mais euh, tu en as une deuxième qui arrive sur toi, Margot. Tu lui un coup de marteau également, mais en créant une sorte de, de fracture dans sa boîte crânienne, ton marteau il reste bloqué. Et tu vois cette créature qui commence à, à t'entraîner le, le bras au sol, à te déséquilibrer, et tu en as une troisième qui arrive vers toi. Que fais-tu Elle a mon pied de biche par terre. Hein euh, ouais, je vais essayer de choper son pied de biche et si jamais il est pas très loin. Euh, oui, tu peux me faire un jet d'observer la situation parce que tu as un mort-vivant justement qui s'apprête à, à t'attraper. Tu arrives à éviter, à reculer, à prendre le pied de biche. Euh, tu vois brièvement Isaac qui essaye de prononcer une incantation euh, nécromancienne. Tu peux me faire un jet d'engager le combat à nouveau si tu souhaites. À que tu préfères prendre la fuite. Essayer d'engager le combat. Ouais, tu arrives. Bah, tu peux me décrire hein, si tu veux. Comment tu ouais, arrives bah à le... éliminer deux autres euh, morts-vivants qui arrivent sur vous Alors, avec le pied de biche, euh, je vais l'enfoncer dans ce qui fait office d'œil d'orbite euh, oculaire. Et euh, je vais réussir à déloger euh, le marteau en même temps, qui tombe à terre. Et euh, l'autre, euh, je vais euh, sectionner le bras qui, euh, qui se tend vers moi avec le pied de biche. Et euh, je récupère le marteau et je vais essayer de faire glisser euh, le pied de biche jusqu'à François. Tu vas pouvoir me faire un jet de garder des contrôle pour voir si tu continues dans cette frénésie meurtrière. Sans t'en rendre compte, tu commences à y prendre goût, voire même du plaisir. Et tu continues à t'enfoncer, tu arrives à les... à les neutraliser petit à petit. Et euh... Isaac, ce que tu remarques, c'est que ces créatures s'approchent de plus en plus. François est toujours au sol, en train de s'apitoyer sur son sort. Je m'agenouille près de François en continuant à entonner ce le... qu'il y a d'écrit sur, euh, sur le, le bout de papier, le bout de chemin. Mmh. J'ai Petit papier, j'ai pris des notes, euh, c'est un peu euh, des pattes de mouche, mais en euh, euh, faisant les, les signes, j'approche une allumette des, des selles euh, afin d'y mettre le feu. Et tu peux me faire un jet d'occultiste amateur? Euh, quand tu commences à, à mettre en place tout ce, tout ce rituel, à suivre ces instructions écrites, tu, tu remarques que François est de plus en plus apaisé et euh, il commence à se relever, à reprendre le contrôle de lui-même et ses créatures euh, commencent à revenir de là d'où elles sont venues, derrière ses toiles. Et vous ne voyez plus que maintenant euh, leur, euh, leur visage. Juste sur un plan, en deux dimensions, sur une toile. Il n'y a plus de relief. Je, je, je suis content de ce qui s'est passé ou pas du tout euh, Tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Euh, tu n'as plus... Du... Tu as comme un blanc. Qu'est-ce qui s'est passé Où sommes-nous Eh bien, François. On ben, peut un petit peu ce qui se passe. Margot, comment allez-vous Ça va, mais ça sort de partout. J'ai peur que ça se reproduise. Qu quoi donc De quoi vous parlez Regardez. Euh... Ils sortaient des toiles, des tableaux. De partout. J'ai bien eu une sensation bizarre, mais j'en ai aucun souvenir. Ils ont même failli vous attraper. Je me rappelle juste d'une obscurité. Eh bien... Nous pouvons continuer. J'imagine. Vous avez l'impression de voir en tout cas le visage de Margot qui... qui paraît comme si elle était enragée d'une certaine folie meurtrière. Margot, vous là, vous allez, se sentez bien Elle a du sang plein le visage, plein le corps. Euh, oui, tout va bien, pourquoi je, je... Nous allons avancer. J'espère que ce rituel a fonctionné. Quel rituel Qu'avez-vous fait C'est un rituel. Faire euh, reculer les créatures, d'après ce que j'avais lu. C'est temporaire. Hein. Et temporaire. Dépêchons-nous. Restons pas là. Ouais, mais par où Non, tout droit. Nous sommes engagés. De toute façon, il faudra bien avancer. Du coup je... le seul truc qui me fait bizarre c'est que je ne retrouve plus mon pied de biche. Est-ce que je le vois entre les mains fait. de Margot Non, je te l'ai fait glisser je vais à côté de toi normalement. D'accord, parce que du coup, euh, n'ayant pas eu conscience de ce qui s'est passé, je j'ai tendance à reprendre mon pied de biche quoi. François, ne restez pas là, dépêchez-vous. Alors Nikita est resté euh, à refermer la porte. Hein. Derrière elle la porte blindée elle s'est isolée elle nous fera une bonne fiche de synthèse parce qu'elle a le temps là on va mettre aussi le... ah j'allais dire le je le vois monde. pas Margot je, je suivais sont... mais il est sur mon token <laughs> Ton esprit. <laughs> c'est ça là, bon à continuons à avancer là. je vais passer quand même devant Isaac Alors, euh, je m'arrête avant, de... avant les escaliers et ascenseurs. Je ne sais pas ce que c'est à gauche. Mmh. C'est, euh, oui, c'est un ascenseur. Hein. Enfin, c'est, euh... oui, c'est un ascenseur à ce niveau-là. Euh, ici, c'était des escaliers. C'est là de vous êtes venus. Ok. Donc, j'avais note que Isaac préférait ne pas prendre l'ascenseur. Donc, en tout cas, d'après la légende, les ascenseurs sont ici. Euh, dans cette pièce où n'y êtes... Euh... Juste à côté, hein, la numéro 6, euh... non, vous n'étiez pas rentré, elle était fermée à part... clé, elle était fermée. Eh bien, je, je colle d'abord mes... mon oreille. Tu peux me faire un jet d'observer la situation Alors, Tu as un petit peu de mal à te concentrer par rapport à ce que tu as vécu. Ouais. Normalement les malus, ça, hein, ça le se met sentir. automatiquement. Ouais ouais ouais. Oh, tu tu entends deux, deux femmes pleurer. Peut-être me... trois. Y a quelqu'un là-dedans. J'entends des pleurs. Il faut avancer, il faut avancer. Vous voulez pas qu'on rentre dans cette pièce Bon, si jamais c'était un piège. Des femmes qui pleurent. Vous croyez que ces créatures s'embarrassent se, de ce genre de choses Ça peut être comme des sirènes, on sait jamais. Je, je regarde, Isaac. Ils peuvent tenter peut-être de nous piéger, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils se sont des réfugiés, des réfugiés du massacre, qui sont ici. Enfin, je risque François. On pourrait avoir des renseignements qui nous seraient utiles. Oui, et surtout peut-être des renforts. Du coup, oui, enfin, je suis pas sûr. Mais euh, du coup, j'essaie je, d'ouvrir la porte. Elle est fermée, fermée. J'essaie d'abord de tourner la poignée pour voir si quelque chose se passe. A pas l'air de s'ouvrir j'insiste ah, le micro était coupé oui ce que je disais c'est que vous étiez donc dans un euh, il y avait donc ce couloir avec ce décor morbide et au loin il y avait une créature bloquée euh, peut-être par des ossements quelque chose mais euh, un mort vivant en tout cas qui essaye de se relever mais sans succès et puis sur le côté, en effet, vous essayez d'ouvrir cette porte qui est fermée à clé. Eh bien, je vais... Je vais utiliser mon petit avantage. Alors... <laughs> C'est ma spécialité. <laughs> Euh. Non, visiblement, tu essayes d'utiliser un outil, quelque chose, mais qui euh, bloque justement euh, dans la serrure. Euh, tu ne vas pas réussir à l'ouvrir, en tout cas avec. Euh, avec doigté. Bon sang Une serrure aussi basique Bah, essayer de défoncer la porte. On risque de faire trop de bruit. Ça risque d'attirer ces créatures. Euh... J'essaie de parler aux femmes à travers la porte. Ouvrez-nous, nous sommes vivants. Vous êtes seuls Nous sommes trois. Qu'est-ce qu'on qu qu doit, qu qu doit faire Allez. Vous ne pourrez On pas rester enfermés trop longtemps nous avons besoin les uns des autres pour nous en sortir vivants. Fais-moi un jet d'influencer autrui. Il T'as en tout cas une voix assez, euh, assez meurtrie, euh, désespérée. Ça va peut-être jouer en ta faveur, mais. Une personne en effet ouvre cette euh, porte et vous fait rentrer très rapidement. Une femme blonde, élégante. Vite, entrez, entrez vite. Je demande pas de mon reste, je, je rentrerai très, très vite. Je vous voyez des, un rayonnage, elle referme la porte derrière vous. Puis entrez, entrez, monsieur. Elle, elle te voit, Margot, complètement en sang. Euh, elle est un peu dégoûtée. Euh, elle est comme si elle avait peur de, de, de te toucher. Tu rentres en contact avec, euh, avec elle. Madame. Et elle referme la porte derrière vous. Il y a, des, il y a différents ouvrages, d'ailleurs, à l'intérieur. Il y a un rayonnage. Il y a au moins une euh, huit rayons. Je vais. je veux inspecter les rayons. Vous êtes là depuis combien de temps On était justement dans la. tout en haut euh, lors de l'exposition. Et euh, j'ai dû à un moment donné régler quelques formalités. Euh, en me rendant directement au bureau de. de. de Nikita. Et euh, c'est là que j'ai entendu justement ces, cette violence au-dessus et euh, je me suis réfugié, et euh, je me suis fait attaquer. Euh, à un moment donné, euh, j'ai pu réussir à prendre la, fu la fuite et je me suis rendu ici, dans ce lieu. J'ai essayé de retrouver d'ailleurs Nikita à un moment donné, me réfugier euh, euh, peut-être dans son bureau. Je sais qu'elle a un atelier. Nous euh. étions avec elle il y a encore pas longtemps elle est oui. saine et sauve et vous regardez autour enfin. de vous elle est elle est seule ah j'ai pas entendu plusieurs euh, oui il te semblait bah, du coup je pendant que margot parle à la, à la femme blonde je, je vais continuer je vais, je vais regarder dans tous les coins quoi tu... Alors, c'est pas très grand, hein. tu, tu parcours les différents rayons euh, d'ouvrage. Euh, non, il y a quelqu'un avec vous euh... Elle euh, se, se retourne. Euh, oui, euh, non, non, non. Euh... Comment ça Oui, puis non. Euh, ma soeur a dû, a dû, a dû partir. Elle. Euh... Euh... Elle est partie chercher euh, je... peut-être des renforts. Euh... Nous étions seuls, démunis. Elle ne devrait pas tarder. Vous voyez en effet qu'il y a un autre accès hein, qui donne euh, vers euh, la pièce principale euh, du sous-sol. Donc il y a d'autres euh... personnes avec vous. Du coup. Oui, 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 je suis avec ma soeur en effet. Elle ne devrait pas tarder. Je vais. Euh, elle n'a je... pas été attaquée. Vous la laissez seule. Je. J'ai. Au moment où j'étais justement en train de vous ouvrir la porte, elle est. Je me suis retourné et visiblement, elle a anticipé ce qu'on avait prévu. Trouver des secours. Mais elle peut pas partir toute seule. C'est dangereux dehors. Avez-vous des armes, avez-vous quelque chose De la nourriture, de l'eau? Moi je vais essayer de je... voir si elle nous fait pas un coup de trafalgar. Non, on n'a pas d'eau. Euh, attendez, je vais... je vais aller voir, vous, vous m'inquiétez. Pauline. Pauline. Je me tiens sur mes gars. Enfin, je sais pas si j'ai... Je... d'ailleurs j'ai les moyens psychologiques. <laughs> je suis là, Joséphine. Ne t'inquiète pas. Il m'avait semblé entendre une voix. De l'autre côté, sur la partie est. Mais c'est probablement le fruit de mon imagination. Vous voyez en effet sa soeur, qui est probablement sa soeur jumelle. Elle referme la porte derrière elle. Attends, pas la même porte par laquelle on est entré Non, non, la porte sud. La porte, okay. Vous êtes rentré par la porte nord. Que s'est-il passé en haut En haut, oh. Mais nous sommes à ce niveau, à cet étage. Euh, du moins, pendant cette exposition, euh, c'est. Il peux comprendre y a eu un massacre pendant cette exposition. Nous y avons réchappé par. Par chance. Malheureusement, beaucoup y ont laissé la peau à leur peau. Disons qu'il y a eu une sorte de rituel. Qui a fait que nous avons tous basculé dans. Cette horreur. Dans, dans cette horreur. Ce que j'appellerais un purgatoire. Le purgatoire de Vauclin. Et vous-même, vous, vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé Absolument pas. Non, nous étions euh, toutes les deux euh, en train de, de régler des, des formalités. Nous sommes avocates. Et euh, nous étions en train de, de vérifier certains papiers, justement, qui. Atteste de la propriété de certaines œuvres, justement, de Vauclin vis-à-vis de Marielle Dubois. Marielle Dubois était complice. Complice de ce qui nous arrive. Et qui fait, fait réaliser ces massacres Qui est derrière tout cela Il y a forcément oh. une explication. Vauclin est derrière tout ça. Mais Vauquelin est mort. Il est mort euh, il y a bien de cela euh, 30 ans. Il est mort, mais on peut dire qu'il est revenu. Marielle est Dubois pas tout seul. a ouvert une porte vers le purgatoire de Vauquelin. Et apparemment, euh, il cherche à revenir. Du moins, c'est ce que je suppose. Revenir à la vie, en tout cas une sorte de vie. C'est complètement irrationnel. Oui, mais tout est irrationnel. Euh, tout ce qui nous arrive n'a aucun sens. Vous avez vu ces créatures ou pas J'ai euh, vu quelque chose, euh, quelque chose d'humain, mais pas vraiment. Comme si que cette personne était enragée, malade. Peut-être voilà. que ces personnes Et mais ils ont peut-être un... dispersé un virus. Euh... Non, 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 non c'est pas possible. C'est plus compliqué que ça. Apolline qu prend la ça. parole euh, et dit à sa sœur arrête de raconter des conneries. Euh... Regarde la vérité en face. C'est pas possible. Avez-vous déjà entendu parler Enfin, oui, vous avez forcément entendu parler de l'enfer, oui. mais de ceux qui vivent les néfarites. Je vous ai fini de avec des grands yeux les néfarines, mais, mais qu'est-ce que c'est donc Vous parlez à deux avocates, Isaac, des gens rationnels. Eh bien, je vais leur dire une forme de vérité euh, n'était pas prête à entendre, mais qui est eh bien. Un réel, puisque nous y sommes. Vauclin est un épharite, et il a créé ce cet enfer, ce purgatoire. Notre ce que nous cherchons à faire, c'est de trouver les différentes incarnations de Vauclin. Ce n'est qu'en les bannissant d'une manière ou d'une autre que nous arriverons à sortir de ce purgatoire. Pour traduire les choses. En... En, termes, en des termes plus prosaïques, nous cherchons un moyen d'éradiquer cette menace et à nous échapper. Sachez notamment que Vauclin est capable de lire en vous. été moi-même victime de son pouvoir. J'ai cru y voir ma fille. J'ai failli c'est la ma vie. Mais bien entendu, mes compagnons ici présents m'ont Déjà sauvé à multiples reprises, et je dois le fait d'être encore en vie grâce à eux. Je suis vieux. Je ne mais ferai non. certainement mais pas non, long ça... feu ici, mais si je peux faire en sorte de... que le plus d'entre vous survivent, alors je j'y mettrai tout mon cœur. Elles font en larmes Joséphine. Apolline, elle reste en tout cas assez sereine, curieusement. Quant à Joséphine, elle s'écroule au sol, elle touche sa croix qu'elle a autour du cou, un crucifix, et puis elle se met à prier. tout sommes en enfer. Sors-moi de là, Apolline. Qu'est-ce qu'on va faire Pas tout à fait l'enfer, nous sommes dans un purgatoire. Mais ils nous basculeront peut-être en faire, à un moment Ça peut loin. encore être pire. Purgatoire. <laughs> <laughs> nous sommes perdus. Mais non, rassurez-vous, ce n'est pas le vôtre. Vous Comment est-ce qu'on peut la sortir de bien. là Je... C'est ce qu'on cherche, justement. On cherche à sortir. Vous avez pu un peu explorer vous-même les lieux On a vu que dans le hall, justement, les portes se sont rabattues. Euh, on a pu observer un désert. Juste derrière quelque chose, des, des bâtiments en ruine. Et le souffle... Assez important, violent, a refermé les portes. Nous n'avons pas essayé de, de les forcer, étant donné que... Beaucoup de ces êtres enragés essayaient de... De s'en prendre aux autres invités. Nous avons vu des choses abjectes. Des, des créatures... Ce n'était même pas des... On aurait dit des, des cadavres, des squelettes, des, des formes inimaginables. À un moment donné, j'ai cru l'impression même de voir euh, certaines représentations euh, de, de personnages, de croquis dans les toiles de Vauquelin apparaître et surgissant euh, en réalité, réellement. Effectivement, vous n'êtes pas loin du vrai. Vous avez des armes Ou euh, chose qui rapproche. Je n'ai que cette croix. Pour me protéger. Je suis ça pas sûr qu'elle va non. vous servir euh, à quelque chose. Est-ce que je sais des trucs au sujet de, des croyances et de l'influence que ça peut avoir sur un purgatoire ou... Ce que tu sais, toi, c'est que ça peut euh, euh, peut-être masquer une certaine vérité. Sachant que cette personne qui va utiliser cette croix pense que ça peut faire fuir une malédiction, quelque chose comme ça, mais en fin de compte, ça ne fait que de remettre le voile. Ça ne fait qu'instaurer une illusion. Tu sais que les religions, d'ailleurs, sont faites pour ça, justement, créer une illusion pour éviter peut-être de voir des, des choses et, et abominables. Voile, ouais. je, je ne dis rien puisque je, je pense que ça pourrait la, la protéger en mettant le voile justement. En tout cas temporairement. En tout cas tu, tu peux comprendre que euh, d'une manière générale ça lui permet d'avoir gardé une certaine stabilité. Hein. Oui, c'est pas un luxe en ces temps. Bien, que euh... vous auriez vu quelque chose, je peux pas dire inhabituel, mais quelque chose qui aura un rapport avec vos clins sur ce que vous étudiez justement. Euh, ce que j'étudie en fait, euh, c'est qu'il m'a, nous a sollicité pour euh, gérer justement des, des documents de propriété euh, au nom de, de Marielle Dubois sur le tableau les larmes de de Djeraba. et c'est suite à cela justement après euh, ces, ces procédures ces formalités faites pour Marielle que nous avons reçu cette invitation quant à ce que, ce que... Vauclin je sais que il était euh, il a eu une grande romance avec Marielle Dubois et c'était l'amour de sa vie pour Marielle. Elle s'est mise après, euh, visiblement, de ce que j'en sais, c'est que O'Klin euh, 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 s'est effondré euh, dans, dans la folie. Il malheureusement, euh, il a mis fin à ses jours euh, d'une manière cruelle avant de terminer son, juste après avoir terminé son œuvre, les Larmes de Djeraba, qui était sa toute dernière œuvre ultime. J'ai appris qu'il s'était crevé les yeux et... Et à partir de là, Marielle est tombée dans une dépression. Elle a refait sa vie mais... Avec Anthony mais malheureusement... Je sais qu'elle a... Elle était atteinte d'une très grave maladie. Oui, vous voulez dire quelle était la forme du tableau Les Larmes de Djeraba euh, Oui, bien évidemment. Le ...te montre. Euh... donc, prends un ouvrage sont artistique. Marielle, hein, on est d'accord, c'est ça. Elles, elles sont pour Marielle. Oui, elles travaillent pour Marielle toutes les deux. Et Apolline, elle reste euh, en tout cas... elle acquiesce, euh, Elle est derrière euh, sa sœur. Est-ce que... Est cela que... fait mention d'un triptyque euh, Oui, bien évidemment. C'est les larmes de... ...de Djerabah, justement. C'est ce que je voulais savoir... Oui, c'est un ce triptyque justement euh, dont j'ai dû régler euh, justement les officialiser, euh, euh, les documents euh, prouvant que c'était à la propriété au nom de Marielle Dubois. J'ai entendu un homme effectivement dire que ça lui appartenait et non pas à Marielle Dubois. Oui, c'est pour ça justement je me suis rendu euh, au bureau de Nikita euh, Valéff euh, étant donné qu'elle avait échanger avec euh, ce, ce, ce marchand d'art tunisien euh, pour voir si tout se passait bien, s'il n'y avait pas de complications de papier à, à mettre en avant et puis euh, faire appel à un recours pour que cet individu ne nous importe plus par la suite. Vous connaissez bien, vous connaissez bien ce traité vous avez, vous avez pu l'analyser Est-ce que vous pourriez nous le décrire davantage euh, Oui, oui, bien sûr, je... Il euh, y, y a des ouvrages justement qui peuvent, euh, qui peuvent décrire cela. Euh... Elle va chercher un, un livre de peinture, euh, justement sur euh, ce triptyque entre autres, hein, ainsi que les autres toiles qui ont été exposées. Mais je, je le tends à. Enfin, si elle le lit, bon, je la laisse lire, mais sinon, je le tends à Margot pour que puisse jeter un coup d'œil. Je le prends et je regarde à l'intérieur Ouais euh, tu, tu Et d'ailleurs tu, tu jettes un, un regard à un moment donné euh, François Tu te sens en tout cas attiré par euh, Par ce, cette représentation Par le triptyque Ouais par le triptyque eh bien, Je regarde ce qu'elle a derrière les bulles de Margot Margot aussi, hein, tu, vois, tu es captivé par, par cette œuvre, Love Maîtresse de l'exposition. J'essaie de m'en imprégner de des détails, quoi. Même si je suis pas un spécialiste de. Enfin, je suis spécialiste, mais pas de la même façon, pas de point de vue mmh. technique euh, comme Margot, mais... Euh, quand vous regardez, vous voyez en même temps des, 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 des détails, mais euh, euh, ça représente, en tout cas, Margot, c'est comme ça que tu l'interprètes, ça représente l'être éveillé. Euh les panneaux de gauche et de droite montrent deux routes, l'une lumineuse, l'autre sombre, qui mènent à deux citadelles et le panneau central dépeint la source de la mort, une fontaine d'un blanc d'os, de un nicor noir et il y a une grande figure obscure qui se dessine par delà la source, vêtue d'ombre et elle a un visage étiré par l'âge. Bah, je vais faire toute la description à François. Euh, en lui bah, qu tu que je tous suis les détails, euh... captivé derrière toi. Hein. Je, je regarde, je regarde au-dessus de ton épaule. Donc... Euh, comme ça, en tout cas, euh, voilà comment vous, vous, vous l'interprétez vous êtes assez captivé. Euh... Ouais, j'essaie de regarder les détails et surtout de, je ne sais pas dans l'état dans en fait lequel je suis si je suis à même d'aller de, chercher des indices, d'essayer de trouver ce qu'on pourrait faire quoi. Parce que je me vois pas aller de bureau en bureau, euh... farfouiller chaque pièce de ce lieu quoi. Donc euh, j'essaie de trouver une solution un peu clé en main euh... pour euh, bah, pour m'enfuir quoi, pour euh, essayer de survivre. Tu, tu constates en tout cas que... Euh, tu as du mal à te concentrer en fait. Hein. Tu, tu en restes fait... hypnotisé par le regard de cette, de cette, de cette entité. Euh, Margot, en tout cas, tu peux me faire un jet de... Peut-être euh, chercher des indices. Observatrice et du coup, je me... Ouais, plutôt chercher des indices. Okay. Je fais juste un petit AFK, juste deux petites secondes, je reviens. Euh, non, tu essayes de l'analyser de, de toutes parts. Euh... Isaac, tu... tu étais en train de parcourir les différents rayons Ouais, les, les rayons de livres. Hmm. Voir s'il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans ces livres. Si la réalité, enfin si ça n'a pas le fait qu'on ait basculé dans ce réatoire, si ça n'a pas changé le mmh. titre, s'il n'y en a pas qui ait un rapport avec Vauquelin, justement. Euh, ce que tu peux observer, c'est différents livres euh, sur. Euh, alors tu as justement des, des pentagrammes, et ça a l'air d'être des livres sur la magie, notamment sur l'espace-temps, le, le rêve, la mort, la passion, la, la folie. C'est à chaque fois associé à une école de magie. Et... Un, un bouquin qui est en rapport avec la, la mort. Mmh. Alors ce que tu constates, comme très commun en tout cas entre ces livres, hein, euh, c'est qu'elles permettent de manipuler les différents aspects de la réalité. Et quand tu regardes la mort, euh, certaines réalités associées seraient, euh, euh, entre autres, l'enfer, ce, qu ce qui est nommé comme ça, en tout cas, dans ce livre, l'inferno, l'inferno, également l'inframonde et l'Elysée. Ce que tu peux percevoir en regardant, euh, c'est que ce livre paraît être extrêmement dangereux très puissant. Cette magie euh, de, de la mort, entre autres, hein, tu peux voir certains rituels, certains sorts, euh, demande toujours un sacrifice, soit de la part du sorcier lui-même ou d'une autre créature. Et ça peut offrir à son pratiquant. La possibilité d'ouvrir des, des portails sur les royaumes de la mort, comme l'enfer, des purgatoires personnels, certains qui pourraient être dévorés par la culpabilité ou des royaumes de l'inframonde où la vie et la mort s'entremêlent. Pour toi, l'inframonde, c'est un, un passage, un accès intermédiaire entre. Euh, on va dire l'illusion et la réalité. Et euh, ce que tu constates petit à petit, c'est que vous êtes actuellement dans cette réalité. Alors euh, tu vois aussi certains chapitres que tu parcours en diagonale, hein, c'est il y a différents tomes, hein, il faudrait beaucoup de temps pour les parcourir. Euh... D'ailleurs, ça fait depuis 4 heures que vous êtes euh, en train de subir justement euh, cette, euh, cette menace. Alors, euh, ce que tu apprends aussi, c'est que les mages de la mort peuvent aussi invoquer et bannir des démons et des esprits. Et lier les âmes des défunts à de nouveaux corps physiques. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques notes. Euh, quelques rituels, si j'en ai trouvé, dans le livre. Mmh. Euh, oui, tu peux me faire un jet d'occultiste amateur. Euh, quant à toi, Marco, tu. En... en regardant justement cette offre, tu peux me faire un jet de voir au travers l'illusion. Euh, ce que Il tu... y a quelque chose en tout cas qui t'interpelle, c'est que tu te dis que peut-être que les lames de ne ont pu procurer cet effet, en tout cas dans cette galerie, en étant associées avec les autres euh, toiles, avec les autres œuvres dans cette pièce. D'accord, et dans le livre en question, il y a les autres œuvres Oui, tu, tu les aperçois également. Tu vois cette unicité entre comme si que ça formait une toile unique. Et euh, quand tu observes l'ensemble de ces toiles, tu, tu remarques euh, une sorte de, de, de malaise et euh, de, de sort d'emprise sur toi. Une emprise assez ouais. menaçante. Je reste quand même assez euh, omnubilé par, euh, par les toiles et je les observe frénétiquement. Moi je crois que je les avais d'ailleurs regroupés. Ouais, il y avait tout un petit mmh. panel, euh, une image avec toutes les, avec toutes les peintures. Euh, tu as Pauline euh, qui s'approche vers toi Isaac, que lisez-vous Ça m'a l'air très intéressant. Pardon. Un livre sur la magie de la mort Sur la magie que... de la mort, les enfers. On sait que je... ça va pouvoir nous sortir. Je pourrais peut-être procéder à quelques rituels, mais étant donné que je n'ai pas étudié ceci à fond, ce serait un peu. un peu aléatoire, mais nous pourrions nous retrouver vraiment en enfer pour le coup. Et je ne pense pas que c'est ce que nous voulions. Mmh. Que ce que nous voulons plutôt. Elle prend un livre en tout cas qu'elle consulte. Elle a sur le rêve. Bien, que dit cet ouvrage Les mages des rêves ont la capacité de manipuler et de diriger les songes. Certains savent le faire de façon intuitive, mais parfois des marcheurs de songes ont un fort potentiel chez quelqu'un et le prennent comme apprenti. Général, un magicien du rêve ne se rend dans les limbes qu'une fois endormi. Bien. Si, non. Elle le referme. En tout cas, ces livres ont une, une excellente valeur. Surtout qu'il n'était certainement pas là avant que nous pénétrions dans ce purgatoire. Je vais prendre celui sur le temps et l'espace également. Oui, alors ce que tu non, vois non, également... Faire quoi je, vais, je, vais, je vais les mettre en tout cas dans mon, dans mon sac si j'ai pas le temps de les lire. On va pas rester dans cet indéfiniment. Oui, de toute façon, il faut, il faut avancer. Il faut continuer à euh, essayer de trouver euh, les, les passages vers les différentes incarnations de vos Peut-être... Euh, où... Peut-être est-ce le fait que nous soyons passés derrière un tableau qui nous avait fait voyager jusqu'à Paris. Peut-être qu'il faut utiliser les voies de Vauclain pour voyager vers ces différentes incarnations. Bien, regarde, regardez un des tableaux. Il tour Eiffel. L'avez-vous vu Oui. Il y en a un avec des, des dunes qui ressemblerait un peu à la Tunisie que Claire a fréquenté. Essayons de retrouver ces tableaux. Et je pense que nous pourrons les trouver uniquement dans sa galerie, là où se trouvent les tropiques. Il faut monter à l'étage alors. Oui. Vous ressortez Vous partez vers l'accès la, nord euh, Mesdemoiselles, si. Euh, je, je veux dire, euh, si vous cherchez euh, euh, Nikita, euh, Madame Kovalev, elle se trouve un peu plus loin hein, dans le couloir. Seulement, prenez garde. Nous avons fait quelques rencontres euh, qui auraient pu tomber euh, très mal pour nous. Non, c'est bien débrouillé. Débrouillé. Je suis pas d'accord avec Isaac. Je regarde. Pauline Pardon. dit à sa sœur, euh, nous devrions en effet retrouver Nikita. Tu sais que c'est le seul endroit où nous pourrions être en sécurité. Je ne sais pas si je réussirais à sortir de là. Ici, si nous avons quand même pu survivre jusqu'à maintenant. Euh, Laisse-moi le temps de réfléchir. Si tu le souhaites, sœur chérie. Bien, je... Tu, tu vois que c'est Apolline qui vous escorte en tout cas jusqu'à la, la porte par laquelle vous êtes rentré. Elle vous ouvre cette porte et est prête à la refermer une fois que vous êtes sorti. Vous prenez donc l'escalier nord-ouest pour aller à l'étage où peut-être un autre accès. Euh, tu as pas dit que c'était un ascenseur au nord-ouest Alors je vais, je vais te dire ça. Oui tout à fait, c'est un ascenseur bien vu. Du coup, euh... du coup on peut aller vers le sud dans la salle 1 où il y a des escaliers, mais tu avais parlé de créatures... Euh... Enfin de bruit en tout cas. Oui oui, alors le, les créatures en effet, vous avez entendu du bruit hein, sur le, au niveau de la salle 1. Euh, vous avez également des escaliers, là où vous êtes venus, euh, vous n'aviez pas entendu de bruit. Et à ce niveau-là, il y a des éboulements. Et euh, une créature au loin qui paraît et qui essaye de se débattre, peut-être accrochée, euh, stabilisée, prisonnier par des, des blocs de pierre. Où allez vous donc, donc soit on peut aller à la salle d'après euh, soit par le sud c'est à dire en passant comme ça là vers le du 6 au 2 là mais en passant par le bas on peut passer par le haut sachant que si on passe par le bas on risque de, de tomber nez à nez sur des créatures Ouais quand Apolline elle est intervenue euh, il y avait en effet un petit peu de... Euh, vous entendiez en effet quelques créatures dévorantes euh, des, des êtres humains. Mais par contre les escaliers sont là. Par... Mm. Euh, C'est à, à cet étage là aussi qu'il y avait le, le bureau du gars de la sécurité là Oui oui tout à fait ici. Numéro 7. À côté de la salle de projection numéro 4. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est normal. Moi, je vois des livres avec des numéros et des noms maintenant. Ah oui, mais c'est pas problématique. Si tu cliques sur le signe note, non, il n'y a rien de secret. Moi, je serais pour avancer vers le 12. Ouais, c'est là où il y avait une créature prisonnière. Euh, derrière, euh, oh, tu non, peux entreapercevoir, oui. euh, en effet, en, en marchant au-dessus des groches, des, des blocs de pierre, un accès. Oui, mais c'est un ascenseur de l'autre côté, non euh, Non, le 12, non, c'est pas un ascenseur, là. Ah, ok. Euh, en haut à droite, hein, je parle. Les 12, c'est des escaliers. Hein. Donc, les escaliers, c'est les barres et les ascenseurs, c'est... Il n'y a pas de barres, c'est ça C'est ça. Ok. Mais il faudra passer devant une de ces créatures. Elle a l'air reprise, elle a l'air enchaînée celle-là. Ouais. Elle sera peut-être facile à éviter. Bon, de toute façon, il vaut mieux passer par le haut, donc euh... Au pire Margot. Margot, vous semblez doué pour vous en débarrasser. Je te fais un petit sourire en quoi. Alors ouais, vous coup, partez, je... hein, vous partez en direction de cet escalier. Du nord et on va longer le couloir là. Hmm. J'ai pas accès à mon token donc je ne peux pas. C'est pas suis. grave. Vous, vous avancez euh, de chaque côté, vous pouvez voir en effet ces, ces statues. Alors je vais essayer de plutôt de vous activer ça. Un truc, hop. Et je vais rebasculer là. Ouais, tout autour vous voyez des, des grandes statues qui vous dévisagent. Vous pouvez tous me faire un jet de garder le contrôle. Contre toute attente... Euh, Isaac euh, traîne la patte. Vous avancez, Margot et toi. Euh, et à un moment donné, vous retournez. Euh, euh, Isaac a un petit peu du mal à marcher. Et il s'arrête et observe l'une des statues. Assez imposante. Euh, vous voyez une statue d'ailleurs de, de Dante, hein, comme celle que vous pouvez apercevoir euh, pour ceux qui sont allés à Florence. C'est majestueuse. Et... Euh, il est subjugué par cette statue imposante. Il ne bouge Isaac, plus. Isaac, il faut continuer. Venez avec nous. Ne nous faisons pas Isaac, du tourisme. Je, je me rapproche de la statue. Isaac, réveillez-vous. Venez avec nous. Il faut avancer. Margot, il est hypnotisé. Et je, Vite. et je secoue. Vous êtes à quelques mètres de lui. Cette statue commence à, à l'attraper au niveau de son, de son cou. Elle tombe. Elle soulève justement Isaac à 20 cm du sol. Prend une autre main et... Je me ça... précipite vers lui pour, euh, pour tenter de, de donner un coup de pied de biche sur un des os pour euh, casser le truc. Ouais, c'est une statue en, en pierre. Euh, tu, tu peux me faire un jet Ah, c'est de la pierre, pardon. Ouais, je ouais. croyais de, je des os, pardon. Je suis pas sûr que ça marche autant, mais... Engager le combat, peut-être Oui, engager le combat. Margot, tu fais quoi euh, bah, Je vais prendre avec mon marteau, essayer euh, toujours de casser euh, des trucs. Vas-y. C'est pas brillant, ma tentative, mais. Je pensais que c'était de en fait. Aussi. Euh... Également, ouais. Quand je vois que c'est de la pierre, je me rends compte de l'inanité de ma. Ouais, quand t'enfonces d'ailleurs ton, ton marteau, tu, tu vois que des écailles de pierre. Euh... Euh, ses frites et euh, du sang gicle euh, elle s'apprête à tu... tu peux me faire un jet d'encaisser de... les blessures en tout cas Isaac et tu vas pouvoir mettre euh, un tu t'étouffes Tu... En tout cas elle te lâche, cette, cette créature, une fois que Marco lui a tapé un coup de marteau. Et... Tu, tu es au sol. Tu as lâché d'ailleurs un objet assez. assez personnel. Je le tire en arrière, enfin je le tire en l'éloignant de la de la chose. Non. Moi je continue à péter de manière frénétique. Et au bout d'un certain temps je m'arrête et euh, je vais ramasser ce que euh, Isaac a laissé tomber par terre. Ouais c'est une carte euh, apparemment de tarot, mais tu t'en as jamais vu des comme ça. Je l'observe, je regarde un petit peu. Mmh. Vous avez perdu ça. Euh. Oui. Merci. Reprenez votre respiration, buvez un coup. Mais dépêchons-nous. Ne restons pas là. Oh. J'essaye de, de me relever péniblement. Mmh. Tu, tu marches d'ailleurs sans faire attention, tu t'apprêtes à trébucher. Il y a des ossements de toutes parts et des crânes que tu écrases. Cesse de regarder ces choses maintenant. Oui, 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 oui je, je, je ferai attention. Attention, mais dans ces enfers où que, où que nous regardions, il arrivera quelque chose de toute façon. En arrivant au fond, il y a en effet ce squelette coincé euh, qui essaye de s'agripper, de vous attraper euh, les mollets, les chevilles, et puis euh, vous longez en tout cas le, le mur pour essayer de l'éviter et vous accéder euh, sur. Euh l'étage supérieur du moins vous empruntez un accès ça ne tro pas vraiment à l'escalier euh, que vous auriez pu vous imaginer on se croirait euh, typiquement dans un donjon au loin vous entendez euh, quelques coups de feu à l'étage supérieur. Non, moi je vais me presser. Euh... Des agitations, la foule, des courants d'air qui euh, caressent euh, votre visage et qui le réchauffent. vous montez les marches je... Isaac tu, tu, tu fermes la marche je suppose Oui, je suis euh... j'essaie de suivre péniblement les deux qui les deux jeunes. Mmh. Ah ouais, alors moi j'aurais tendance à être au milieu et ne pas laisser terminer oui. ne pas laisser moi fermer la le marche derrière je Isaac, ouais. L'objectif étant de, de le protéger et de pouvoir euh, agir rapidement. Nous sommes où ici oh, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un donjon. Ce n'est pas le Louvre. J'entends des je sirènes. En effet. Et vous avez entendu ces coups de feu Oui. Vauclain était à New York. La fumée s'épaissit. Elle vous Moi, entoure. Allez, Elle vous aveugle. Quand vous arrivez euh, Un à l'étage du dessus, vous vous trouvez dans des ruines. Il y a des tracks, des panneaux de signalisation qui jonchent le sol. Il y a. Quand vous regardez ces tracks, ça ressemble euh, à des barbouillis de rhétorique politique. Il y a des anarchistes qui courent partout. Margot, oui, ça t'évoque quelque chose. Étant euh... donné que tu es une étudiante en art, euh, tu t'intéresses à l'art italien, ça... ça pourrait ressembler à Milan. Il y a des policiers qui essayent justement de contrôler euh, les manifestants, les extrémistes. Est C'est les années de plomb. Hein. Il y a. Euh... ...des représailles. Il y a des combattants de, de toutes parts, des anarchistes qui courent partout... Euh, euh, ...s'en prenant à euh, n'importe qui dans leur folie et... ...et en même temps euh, s'entretuant à coups de couteau, d'armes à feu, de cocktails molotov... Euh, tout est... ...baigné d'une perfection euh, complètement irréelle. Les couleurs et les ombres... Euh, ...vibrant tout autour. Euh, avec euh, mise mis en valeur par justement ce feu, ces incendies, prennent une dimension assez surnaturelle. Toi Margot qui a une fibre artistique, tu reconnais euh, un certain aspect euh, naturaliste du monde. Comme si à nouveau vous trouviez à l'intérieur d'un tableau. Vous pouvez me faire tous un jet d'observer la situation. D'ailleurs ces anarchistes euh, s'affrontant avec euh, ces euh, policiers euh, vous frôlent mais ne vous bouscule pas. Alors Isaac euh... ok 13-13-16 Euh, ce que tu constates François, tu vois des euh, présences euh, d'anamorphoses, c'est-à-dire une image dans l'image à peu près partout, tu vois des, des, des crânes, euh, selon l'angle tu, tu regardes, tu peux apercevoir des crânes, des fleurs fanées, des, des fruits pourris, euh, et des instruments de musique et des sabliers. Bah, J'en fais part à mes camarades, vous voyez ces anamorphoses Oui, je les vois. Ah oui, maintenant que vous dites oui, on les voit, oui. Je n'ai pas remarqué jusqu'à présent. C'est quoi ces symboles Comme ah, des peintures sont... dans les peintures. On est en Italie. On est dans les années 70. Il faut trouver le Guy Vauclin qui est dans ce... Dans ce tableau, si je puis dire. Il faut se frayer un chemin parmi tous ces gens. Étant donné le caractère de Vauquelin et de ce que nous avons vu dans ce, ce documentaire, probablement un anarchiste. Moi, je cherche le passage qui nous permettrait de. Il me semble plus judicieux à emprunter. Mmh. Si nous suivons... si j'essaie de voir s'il n'y a pas euh, comme un chemin tracé parmi cette foule. Ouais, c'est assez difficile de, de se repérer euh, face à toutes ces agitations. Vous voyez en effet cette euh, police qui essaye justement de, de contrôler euh, toute cette euh, rébellion. Et euh, quand euh, vous voyez ces anarchistes qui attaquent euh, la, la police ou d'autres opposants, eh bien vous remarquez que ce sont des euh, également des, des créatures. Les cadavres. Il y en a une d'ailleurs qui s'approche vers toi, Margot. De quel côté êtes-vous Elle te montre ses crocs. Du même côté que vous T'attrapes, euh, il te relâche le bras et euh, fonce en direction d'un policier qui sort sa matraque. Tu vois pas la, le visage du policier euh, masqué par un casque et il balance sa matraque sur contre le crâne de ce manifestant qui explose. La cervelle s'écoule au sol. Je me dis rien de bon, Bargo. Je crois que vous avez choisi notre camp. Vous pensez qu'il fallait absolument faire en sorte de ne pas se faire attaquer. Euh, peu importe, peu importe quel camp nous choisissons. De toute façon, il s'agit d'un purgatoire créé par vos clins. Que ce soit les policiers ou les anarchistes, notre ennemi, notre sort aurait été identique. Je ne pense pas que Vauclin acte frontalement. Je pense qu'il est retranché quelque part. Il faudrait retrouver une église dans le coin. Il est peut-être caché encore une fois dans les mêmes types de bâtiments. Que savez-vous sur Vauclin, sur ce qu'il a vécu oh. Ici. Dans les années 70, qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans le bouquin euh, sur ce qu'il avait vécu dans les années 70 On avait vu un documentaire aussi, oui. Ouais. Euh, bah il, il cherchait justement à, à s'inspirer du, du Cavaravage, justement où il a peint notamment, il, il a pu exposer entre autres à Florence, mais également à Milan, et il a essayé euh, de, de s'inspirer en tout cas de, de lui. Et avec euh, justement ces représentations, il a souvent mis en avant ces euh, bah, années terribles, justement violentes, euh, d'affrontements entre les, les, les extrémistes de droite et de gauche. Sauf que lui, il mettait un trait plutôt euh, euh, mortifère avec des, des cadavres de toutes parts à la place des, des, euh, des protagonistes. Qu'est-ce qu'il a le plus aimé à Milan Qu'est-ce qu'il a le plus. Euh, traumatisé En tout cas, c'est vraiment son obsession pour le Caravage qui l'a vraiment mené là-bas, quoi. Euh, ce que vous savez aussi, c'est qu'il a vécu. Euh, essentiellement dans la pauvreté. Oui, ce que j'allais dire, le Caravage a vécu dans les bas-fonds aussi. Et il a été marqué par, on va dire, le terrorisme et la violence dans les rues. Euh, C'était vraiment une. période de chaos qui l'a profondément affecté. Et euh, ça lui a fait évoluer en tout cas son style. Est-ce qu'on se souvient d'un tableau qui aurait pu représenter euh, justement un endroit emblématique de, de Milan euh... Alors oui, euh, du, du, de ton côté, Margot, tu sais que euh, il y avait la Banque Nationale euh, euh, d'Agriculture. Euh, dans lequel justement ce tableau était essentiellement représenté. Bien c'est ouais. euh, euh, pareil, c'est à Milan hein, dans le centre-ville. Hein. D'accord. Je ne sais pas si on peut on pourra pas forcément euh, circuler déambuler dans les rues euh, de façon yeah. naturelle. Il y a une sorte de manifestant qui arrive et qui te met un, un trax dans tes mains, euh, euh, François. Bah, je je l'interpelle, je fais euh, la, la Banque nationale de l'agriculture. Il Ça ne te répond difficulté. pas, il est fou, enragé. Euh, euh, dessus, tu vois des slogans politiques. Bah, je regarde le tract, voir y a... si je peux trouver quelque chose. Hein. Quand tu regardes les tracks, tu, tu vois des formes assez atroces. Vous voyez au début des slogans politiques, mais en regardant de, de, de plus près, tu te sens assez angoissé, de plus en plus, et tu, tu peux voir une sorte de d'être assez, assez abject dessus. Je vais te partager un peu. Voilà ce que tu vois. Tu vois cette personnage qui se tient justement les mains, c'est un squelette. Il ah se oui. bouche. Euh, il se ferme la bouche. Euh, comme si qu'il devenait euh, complètement muet, qu'il ne pouvait pas parler. Et bah, du coup, je lâche le tract de mes mains. D'un air complètement. Euh... Je me mets à. Ah je sais même pas si les gens m'entendent vu le chaos euh, ambiant, mais. Je, euh, je euh... ramasse le tract pour voir de quoi il est, il est question. Mm -hmm. Regardez, regardez cette chose! Regardez, regardez Isaac! Oui. Encore une peinture du purgatoire, hein, vous dira Isaac. Mais il faut aller à la chambre d'agriculture. Où vous connaissez la ville Il Faut y aller vite. Pas plus que ça. C'est des bâtiments ça. assez imposants, donc en vous installant dans une place assez ouverte, vous pouvez voir le, le dôme très facilement, vous repérez. Vous arrivez à en effet à, à vous orienter ainsi. Vous continuez votre chemin et puis vous arrivez sur une autre place assez... Avec des, des crucifix plantés. Euh, la police y amène des, des prisonniers et euh, les clous au pilori. Ils hurlent de douleur. Il y a d'autres prisonniers. Ils sont euh, à la chaîne. Dépêchons-nous, essayons de passer discrètement. Chaque fois qu'on arrive à circuler, je, je regarde de partout hein, à la recherche de Vauclin, évidemment. Mmh. Peux me faire un jet d'observer la situation. Même si j'ai peu de doute de le trouver dans cette cohue. Non, il y a trop de cohue, il y a trop de bruit. Je pense encore à ce, ce squelette, cette créature. Tu aperçois en tout cas un, un, un être, une silhouette assez imposante, très grande, très massive. Elle est de dos, euh, elle est habillée à la mode tunisienne d'ailleurs. À la mode tunisienne Ouais, orientale. Ce doit être lui, regardez. C'est. Cette silhouette est à une certaine distance. Tu, tu la vois en tout cas. Euh... Elle se détache parmi la, la foule, c'est ça Oui, elle se détache assez. Hein. Les, les, les polices ou les prisonniers ne semblent pas prêter attention à elle. Elle est imposante, haute. Euh... Pourtant, tu as l'impression qu'elle te semble de plus en plus proche. Mon Dieu on, la voit. on la voit nous aussi. Oui, vous la voyez aussi, mais vous ne voyez pas son visage. Vous voyez que une pure noirceur. Il est là, c'est lui, c'est lui. Je vais Regardez. utiliser mon intuition magique pour voir mmh. si euh, si cette créature me dit quelque chose. En tout mmh. cas, ouais. Euh oui. Euh... Sur, je sors, je sors toujours mes, mes petits bouts de papier, euh, mes, mes incantations, mm -hmm. mes rituels pour euh, pour entonner quelque chose euh, et, qui, et qui me permet de révéler euh, l'apparence des choses, en tout cas que je peux croiser. Mm -hmm. Vous m'entendez marmonner avec mon, mon petit euh, mon petit feuillet que j'ai devant. C'est peut-être une manifestation d'un ange de la mort. Tu, En tout cas, c'est l'aura que tu ressens. Hein. Pour moi, ça ne peut pas être Vauclin. En tout non. cas, une de ces manifestations. Non, Vauclin, pour toi, ce serait plutôt un serviteur de ces anges de la mort. Il ne faut pas rester ici. Éloignons-nous mmh. vite. Peut-être un dangereux. pantin, une marionnette, euh, une victime. Mais Vauclin. vous voulez aller où, Isaac? Vauclin ne doit pas être loin, mais cette créature que nous avons devant nous est, est dangereuse. Regardez, elle approche, elle approche. Vite. Il faut trouver Vauclin au plus vite. Il ne doit pas être loin. Vauclin est un des serviteurs, ou où... ou bien il est il est prisonnier ici. Il faut le retrouver, il faut le libérer ou en finir avec lui d'une manière ou d'une autre. Où se trouve cette banque nationale, Margot Où est elle Margot, il y a quelqu'un qui t'appelle, un... qui. T'as un mendiant qui est au sol, il est en train de t'appeler. Mademoiselle, vous voulez que. Vous êtes magnifique, voulez que. Je... J'aimerais bien euh... que vous me serviez de modèle. Tu vois ce, ce personnage euh... Un mendiant. Euh... Il a quelques toiles à ses pieds, une bouteille de vin. ...et en même temps, euh, il est euh, entouré de, de flammes. Ce visage te dit quelque chose, c'est... Tu l'as déjà vu dans d'autres représentations. Il a ce même visage que tu as pu voir sur certains tableaux... ...des autoportraits de, du Caravache. Je vais m'approcher du mendiant. Vous voulez me peindre Ce serait un honneur. Vous avez une certaine cruauté, une certaine violence en vous. Ça, ça me fascine. Tu reconnais en effet Michelangelo, Meridzi, Da Caravaggio. Souhaitez-vous rester un moment avec moi Nous cherchons quelqu'un, je n'ai pas spécialement le temps pour l'instant. Qui cherchez-vous je cherche Vauclin. Oui, je le connais. Nous avons Et vous souvent. Savez où on peut trouver oui, suivez-moi. Il se lève, prend ses palettes de couleurs avec lui. Les rues sont de plus en plus calmes. Vous voyez des, des gravats de toutes parts. Des bâtiments en ruine. Et euh, ce, ce monument n'est pas très loin d'ailleurs. Euh, la Banque Nationale justement. Continuez à parcourir. Euh, vous voyez ces protestataires crucifiés de temps à autre. Le caravage te... ...se retourne, en tout cas pour vérifier que... ...je suis bien. Je suis, je suis. Moi je regarde Isaac et je lui murmure... Euh, ...tout ce mélange. Les époques. Les personnages. Et tout ce que Vauclin se représente. Ça n'a La... aucun sens. La silhouette a disparu. Vous vous êtes retourné à un moment donné... Euh, ...elle n'était plus... Euh... À proximité de, de vous. Est-ce que caravage ou la silhouette euh... La silhouette euh, assez imposante, habillée euh, okay. de manière orientale. Non, 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 le caravage euh, vous escorte. Il emprunte une petite ruelle derrière justement la, la banque qui prend feu. Il y a des, des corps, des cadavres de toutes parts au sol. Et... Euh, dans un coin, dans un... une petite maison euh, sans toit, en ruine, vous voyez, dans ce, au milieu de caisses, de bouteilles de vin, de poussière et de plâtre tombé des murs, euh, dans ce gravat, euh, Vous pouvez apercevoir des... des dessins, des esquisses, au sol, des illustrations. Euh, vous, puis derrière une une poutre à moitié euh, détruite. Il y a une sorte de corps. C'est un corps qui a l'air de se tordre de désespoir. Vous l'observez, il a les cheveux très longs, euh, habillé avec euh, un costume euh, plutôt de. un pantalon, euh, mais assez troué, euh, mal entretenu. Euh. Vous le voyez son visage chez Vauclin en effet, il est en train de hurler. Il a un sommeil profond mais euh, vous l'entendez hurler euh, de, de cris de désespoir. Euh, il est en plein cauchemar. Sur ses dessins vous voyez des, des esquisses euh, de silhouettes notamment cette silhouette sombre qui erre dans la rue, celle que vous avez pu apercevoir. Beaucoup de traits sont ressemblants, et vous voyez aussi un désert environnant. Sur d'autres croquis. Ouais. Vous voyez des déserts euh, et euh, de terrifiants habitants. Ils sont, on croirait voir la mort sur euh, à cheval, sauf qu'il y en a plusieurs. Et vous voyez d'autres. Euh... D'autres, peut-être des Bédouins, mais en regardant de plus près, on dirait que c'est des corps momifiés. Et vous pouvez aussi apercevoir des maisons troglodytes, des cavernes, ou des accès vers euh, des, des chapelles avec des, des symboles tout autour. Des symboles qui t évoquent euh, la nécromancie Isaac. En tout cas, il y a un, une habitation qui, euh, qui te rappelle cela. C'est celle qui est la plus imposante de toutes. auclin continue à dormir un sommeil agité. Vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il est en train de, de, de dire. Des fois, vous entendez quelques. Toi, Isaac, tu entends quelques tout son de quelques mots, quelques passages de latin, mais ça n'a aucun sens. Il est en train de créer tout cela. Tout est instable. De vide. Les de vin sont vides. Il est prisonnier de son cauchemar. Il faut le réveiller. Nous pouvons essayer. Mon regard se tourne quand même vers le. C'est un mausolée que tu me disais où il y avait des, des symboles de... de la mort, c'est ça Ouais, c'est pas forcément. c'est... Ça peut être des, des maisons. De chapelle. Ça peut être des chapelles, des maisons, des demeures. Tu sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Je j'essaie de m'approcher de de Vauclin euh, pour mieux entendre ce qu'il dit. Mmh. Il est dans les flammes, il est enflammé ou lui il est juste agité d'un sommeil euh, sans fin. Ah, il est vraiment en train de se tordre de désespoir dans un sommeil sans fin. Il ne prête pas attention. En... En tout cas, vous, vous ne le réveillez pas, donc il euh, continue euh, à parcourir ce, ce rêve de voyage onirique, mais euh, terrible. Bah, moi, je vais m'approcher de lui un petit peu, euh, me mettre ouais, à son chevet. Fait. Et euh, je vais finir par secouer assez délicatement au début, si ça marche. Et si ça marche pas, je vais le secouer un, un peu plus fort. Tu, tu le secoues, il se, il se réveille, il a les yeux complètement horrifiés, il regarde autour de lui, il essaye de il prendre une bouteille, un il essaye de trouver une bouteille mais elle est vide, il devient assez agressif, il commence à, à s'agiter, euh, peut-être une sensation de, de manque, et il bon, prend je, quelque, je, je, quelque chose... Euh, chose. Il prend quelque chose par terre. Et il se redresse. Faites attention, il va vous lancer. Je vais me reculer de 2-3. Il... Euh, tu vois qu'il a un, un pinceau assez important, imposant. Il, euh, il lève son bras justement... Euh, et il s'approche vers toi... Euh, Marco. C'est vous qui avez réveillé, c'est vous qui m'avez réveillé. Oui, c'est moi qui vous ai réveillé, mais vous étiez dans une complainte. Donnez-moi à boire. Oui, Donnez-moi quelque chose. Il commence à essayer de te porter un coup. Il se contrôle pas. Tu peux me faire un jet je d'éviter les dégâts. Okay. Ou, ou tu peux me faire sinon une attaque, une contre-attaque. Non, bon. je vais faire éviter les dégâts. Okay. Eh ben tu vas pouvoir me faire un jet d'encaisser les... Les, les blessures, dégâts. ouais les dégâts. Tu peux mettre euh, la valeur, euh, tu peux mettre la valeur de 2. Il commence à te essayer de te planter justement le, le pinceau, euh, mais il décide de viser ton œil et ça ça t'a justement arraché un petit peu le la cage thoracique. Je saignes un peu, mais c'est pas voilà, c'est pas non plus une, une blessure euh, sérieuse. Mais Écoutez tu as pouvoir, Mais tu vas pouvoir vous cocher quand même vous. une blessure euh, légère. Vos clins, nous pouvons vous trouver à boire si vous le souhaitez. Nous pouvons étancher votre soif. Il s'apprête à mmh. porter un autre coup, euh, fais-moi jet d'influencer autrui. Marco, tu, tu as mal, tu as reculé, tu te mets les mains justement sur, sur ta cage thoracique. Une blessure légère euh, Normalement, tu peux cliquer sur la droite, tu as des blessures. J'ai pas de blessure, bénédiction, blessure stabilisée. Ah, attends, je vais après, euh, Oui, c'est blessure, blessure ouais, c'est ok, c'est blessure sérieuse, donc tu coches la première. Ok. Il, Il s'arrête brièvement. Euh, tu... tu vois Margot, justement, qui se serre contre elle. Elle saigne de plus en plus. Euh... Il se retourne vers toi. Quoi Laissez-nous vous... vous aider, Vauclin. Vous avez à boire Donnez-moi à boire. Nous pouvons vous trouver à boire. Moi, je sors une bouteille d'eau de mon sac. Tenez. Si j'imagine bien qu'il pense pas à l'eau, il crache l'eau euh, à tes pieds. Vauquelin, réveillez-vous, vous créez le chaos. Calmez-vous. On va vous trouver ce que vous voulez. Peut-être pouvons-nous vous accompagner dans vos rêves, Vauquelin. Guy, écoutez-nous. Il t'écoute euh, à moitié, tu le vois, il est toujours déchaîné, il cherche de toutes parts, euh, il essaye de s'éloigner. Euh, il oh agresse mec. à un moment donné un individu, euh, ne voyez pas son visage. Porte euh, une, une capuche. Il a un masque un peu vénitien. Euh, il l'agresse. Je vais chercher, je vais chercher une bouteille, euh, une bouteille pleine. Ou à moitié, à moitié vide. Mmh. En tout cas, en faisant chercher des indices, est-ce que ça peut être que Ouais, vas-y. Vas-y. Ou vas une par terre. Non, pas du tout. Euh, Margot, euh, oui, toi, tu, tu es blessé, mais t'arrives en tout cas à t'exercer une pression pour arrêter, euh, voilà, une éventuelle euh, hémorragie. Quant à toi, François, que fais-tu bah moi je, je regarde la direction dans laquelle euh, s'en va Vauquelin. Ouais, il part dans une petite ruelle justement. Euh, euh, il contourne cette, euh, ce bâtiment massif, cette banque. Bah une fois que j'ai vu où, dans, dans quelle direction il allait, j'essaie je, de regarder autour de moi. Pareil si je trouve pas une bouteille euh, ou un magasin de, sais, de vente d'alcool, de, de, de euh, magasin de liqueur. Euh, même si je pense que dans ce chaos... Euh, <laughs> le... S'est arrêté. Je ouais. regarde s'il n'y a pas un bar ou un ou un magasin d'alcool. Euh, tout... Dans cette zone, les... tous les commerçants sont fermés. Hein. Bien évidemment, c'est ah le cas ouais, au total. S'ils n'ont pas fermé leurs rideaux de fer. Ouais. ouais tu... Tu, peux... tu peux en trouver en effet, mais fais-moi un jeu d'observer la situation pour voir combien de temps tu veux. Vas... Ouais. Tu vas procéder. Pendant, Pendant qu'ils cherchent. Non, oui. mais je prends trop de temps. Hein. Je... Vauclin commence à s'éloigner, il part dans une ruelle. Vous ne le voyez plus dans votre champ de vision. Moi, ouais, j'ai parti le par là-bas. Margot, Margot Il faut le suivre. Oui. T'arrives à le suivre et puis tu le vois, il est euh, euh, au, au sol justement. Il a trouvé un fond de bouteille, euh, mais. Euh, ça paraît assez, assez répugnant. Il y a une sorte de, de croûte verdâtre autour de, euh, de, de. Tout autour de cette bouteille. On ne sait pas trop ce que c'est. Et euh, au fond, justement, de cette ruelle, c'est une sorte. Euh, ça donne après vers une sorte de coude, vers un autre accès. C'est assez étroit. Hein. Ça fait peut-être 2 mètres de large. Il est au sol, dans un coin, justement. Et euh, il y a du sable qui arrive complètement vers euh, une rue, petite ruelle sur la droite, que nous avons nous, du mal à distinguer, mais qui projette du sable sur lui. Et il en a de plus en plus sur lui. Petit à petit, il est recouvert de sable. Quand vous arrivez, vous avez pris un peu trop de temps malheureusement, et euh, vous avez perdu un peu de temps, et vous le voyez, il est enseveli de sable. Je vais essayer de me rapprocher et de le de virer le sable qu'il a au-dessus de lui, au-dessus de la tête. Moi, je vais aider Margot. Ouais, vous arrivez, vous, oui, enlevez, ce... vous enlevez ce sable et ce n'est plus qu'un tas de poussière, de sable. Il n'y a plus personne en dessous. il est passé où Il serait peut-être retourné là où nous l'avons trouvé. Peut-être que dans cet enfer, il répète et répète encore toujours les mêmes choses. N'oublions pas qu'il était endormi, agité, il faut peut-être pénétrer dans son rêve. Après l'Italie, il est parti en Tunisie. C'est là qu'il doit être. Quand vous regardez en direction alors, justement de cette rue... Ce sable. Où il y avait ce sable qui est arrivé d'une manière assez imposante, massive. Voilà ce que vous voyez. Le décor s'élargit de plus en plus pour faire voir justement de, des bâtiments, euh, des structures euh, ensevelies par le sable. Vous, vous retournez, vous ne voyez plus euh, Milan. Peut-être maintenant. Le vent euh, s'accentue de, de plus en plus. Climat très aride, désertique. Il n'y a absolument personne.